Bonjour, c'est la variation 6. La variation 1 des plus lyriques, des plus poétiques, des plus douces dans ce cycle. C'est peut-être la variation en joie laquelle je choisis. Oui, je veux travailler ce cycle entier. On va rentrer aussi dans chaque note, comme la dans variation précédente. Et encore plus, car dans chaque note du thème, il y a 15 notes ici. Et après, on va voir le sens global, un monde qui va s'ouvrir. Pour chaque note noire du thème, si je le trouve, je vous rappelle. Pour chaque note noire du thème, il prend ici une demi-mesure. 9 notes plus 6, on a 15 notes de remplissage de chaque note du thème. Et dans le rythme, ça me rappelle toujours un peu les fantaisies impromptues de Chopin, où il y a la main gauche toujours décalée avec la main droite. Chaque main se bouge dans sa propre espace, librement. Et c'est pareil ici. Il y a peu de notes où il se retrouve, parfois plus, parfois moins, comme ça tombe. Il ne monte pas dans cette variation jusqu'à forte. Il monte jusqu'à mezzo forte, et je me demande, est-ce que mezzo forte, c'est l'ombre? C'est l'ombre du forte. Cette variation, c'est irréel pour moi. Je ne sais pas si une beauté comme ça peut exister vraiment. Après 5 mesures, il y a une voix. On voit l'apparaître ici et on entend très très bien au milieu. C'est la voix de mélodie qui est cachée un peu au milieu. Et quand je jouais pour première fois cet endroit-là, je pensais à un poème de Maïkovski. Écoutez. Là-bas, le voit si haut, il reste quand même au milieu. Et le poème de Maïkovski, écoutez,
Écoutez, si on allume les étoiles, c'est signe qu'il le faut pour quelqu'un. C'est signe que quelqu'un veut qu'elle soit. Et le miracle ici, que les étoiles, c'est pas le plus haut. Il y a encore une couche, il y a encore une épaisseur qui flotte par-dessus, encore plus haut qu'on voit, qu'on peut s'imaginer, sentir, plus haut que les étoiles. Et maintenant, vous écoutez bien comme on monte et comme les étoiles, au milieu de cette variation, elles s'allument.